À 49 ans, Eric Stonestreet va finalement découvrir les joies du mariage. L'acteur, révélé au grand public grâce à son rôle dans la série Modern Family, dans laquelle il jouait un personnage homosexuel. Marié et père d'une petite fille aux côtés de Justin et Ferguson, a révélé la bonne nouvelle sur Instagram. Dimanche 22 août 2021, sur son compte suivi par 2,3 millions de followers, Eric Stonestreet a posté trois photos de lui en compagnie de son amoureuse Lindsay Schweitzer, laquelle portait une jolie bague au doigt. Un bijou bien visible offert par l'acteur, qui va franchir la cape de la cinquantaine dès le 9 septembre, pour des fiançailles. Elle a dit, elle va demander à son entourage de prendre contact avec le mien. A commenté, non sans humour, l'acteur en légende de sa publication, faisant passer sa chérie pour une sorte de diva parlant d'elle à la troisième personne et effectuant une transaction. Dans la vraie, Lindsay Schweitzer est loin du monde du show business puisqu'elle travaille comme infirmière pédiatrique. Eric Stonestreet, qui avait un temps été au cœur de rumeurs inattendues sur une supposée liaison amoureuse avec Charlize Theron, a fait la rencontre de Lindsay Schweitzer en 2016 lors d'une soirée caritative. Les amoureux avaient fait connaissance au Big Sleek sur le British Weekend Fundraiser à Kansas City dans l'état du Missouri. Auparavant, le comédien avait fréquenté pendant 3 ans Catherine Tokars, comédienne de théâtre notamment passée par Broadway. À l'annonce de ses fiançailles, Eric Stonestreet a reçu des dizaines de messages de félicitations de ses collègues d'Hollywood comme Octavia Spencer, Gwyneth Paltrow, Alyssa Milano ou encore Bethany Frankel. Depuis la fin de Modern Family, survenue en 2020 au bout de la 11e saison, Eric Stonestreet a participé à la 15e saison du télécrochet America's Got Talent comme juge, retrouvant ainsi sa camarade de la série, Sofia Vergara. Il a aussi participé, comme candidat, au programme One Want to Be a Millionaire. Avec une fortune estimée par Celebrity Network à 23 millions de dollars, l'acteur a bien le temps de souffler un peu avant de reprendre le chemin des tournages.